Et salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce Grand Prix du Brésil, la 18e manche du championnat du monde sur cette saison 2015. Et donc l'avant-dernière course sur l'un des plus fabuleux tracés du championnat du monde lui aussi. Il date pas d'hier, ce tracé Interlagos, tout simplement entre les lacs à São Paulo, sur le tracé José Carlos Pache, sur un merveilleux tracé. Et c'est un peu regrettable, je pense qu'il y a eu encore des sous-enjeux de la part des Émirats Arabes Unis envers Bernie Ecclestone pour ne plus mettre ce Grand Prix en fin de saison, parce qu'on sait bien entendu que Interlagos marque vraiment la fin de la saison. On avait vu ça fait 2 années donc que c'est plus à Interlagos. On se rappelle de 2010 avec le dénouement phénoménal où eh bien Alonso et Weber s'annihilent tous les deux et c'est finalement Sébastien Vettel qui avait remporté son premier championnat du monde, c'était à Abu Dhabi. Alors qu'on revoit ce qui s'est passé aux essais libres avec donc la 2e place pour nous en intercalé entre les Mercedes, et on voit que la Williams fonctionne plutôt bien sur ce tracé. Mon coéquipier est 5e, puis après on retrouve dans les grandes lignes ce qui s'est passé un peu tout le long du week-end. On revoit aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce fameux tracé très court d'Interlagos, avec 2 zones de DRS, un tracé donc de 4 km et quelques, où les temps autour tombent aux alentours des 1,10, entre 1,10 et 1,15, et on va faire ce petit tour ensemble, même si c'est un des tracés bien entendu les plus connus au monde, avec le fameux S de Senna, donc la corde ici bien entendu primordiale, avant d'attaquer donc et de se relancer sur la première ou 2e zone de DRS du tracé, avec l'idée des architectes de faire une pit lane ici et remplacer l'ancienne. Ça c'est encore pas fait. Au panneau des 100 mètres, on freine, grande gauche, 4, 3, et on se relance ici. Ça va remonter, c'est très vallonné comme tracé. Très compliqué à tenir la corde ici sur ce virage, et en attaquant donc dans ce 2e secteur, un secteur vraiment très très lent, avec 2 épingles à passer en seconde. Ici aussi c'est très compliqué sur ce grand gauche qui n'en finit plus et qui remonte. Quand il y a de l'eau ici, on le voit qu'il y a quelques gouttes de pluie, c'est très compliqué sur ce tour de qualif. Et redescendre ici, là aussi, un gros délestage de la voiture parce que ça redescend énormément. Quand il pleut, c'est très compliqué. Et on va réattaquer donc la grande montée. Et c'est ici que j'ai fait une toute petite erreur qui m'aura coûté donc la pole position aux dépens des 2 Mercedes, donc avec un excellent tour de la part de Lewis Hamilton et Nico Rosberg. J'ai fait une erreur, j'étais en tête tout le long du tour. Donc voilà pour ce tour qualification. La grille donc, dans les grandes lignes, c'est toujours pareil, ça n'a pas trop bougé cette saison. On retrouve donc les 2 Mercedes en tête, moi 3e, la dame avec la texture de pneus, toujours présente. Et on va regarder la grille ensemble donc, rien de changé dans le top 11, à l'extérieur du top 10. Et dans le top 10, donc, on retrouve Hülkenberg et Perez, Kiat et Ricciardo, Felipe Massa et Räikkönen, Bottas et moi-même, et les 2 Mercedes. Donc rien vraiment de bien changé, c'est toujours pareil, c'est toujours la même hiérarchie. La stratégie donc dans les grandes lignes qui sera avec donc 3 arrêts a priori. Je pense que ça va changer puisqu'il y a déjà des gouttes de pluie qui tombent sur le tracé. Donc on va voir à quel moment on va chausser les intermédiaires. Ça va être ça la vraie surprise. Et c'est parti pour le départ donc. Vous l'avez vu avec quelques gouttes de pluie sur le mouillé. Je me fais surprendre par Bottas et j'arrive à reprendre l'intérieur sur lui. Et donc c'est les 2 Mercedes qui se sont touchés un peu à l'image de ce qu'on a vu ces derniers temps en Autriche. Et du coup beaucoup d'accrochages. Et regardez donc en bas sur la minimap, eh bien, il ne reste plus qu'Hamilton, moi-même et Bottas. Derrière, tout le monde est très très loin, il y a eu vraiment une série d'accrochages. Mon coéquipier aussi est parti à la faute, Nico Rosberg également. Et il y a eu du grabuge également derrière, donc plusieurs voitures a priori avec de multiples accrochages, de multiples tête à queue dans ce premier tour. Et comme je le disais, eh bien oui, Interlagos, c'est pour nous, fans de F1 depuis toujours, la destination finale du calendrier de championnat du monde. C'est là où il y a eu les plus beaux dénouements, et le dernier en date c'est peut-être celui de 2012. Alors c'est vrai que entre le duel Alonso et Vettel, ça a été triste pour les alonsistes on va dire, et puis les fans de Vettel finalement étaient très, très heureux, moi-même par exemple, sur un dénouement, un final absolument exceptionnel, sur une saison 2012 exceptionnelle. où on avait vu 7 vainqueurs de GP dans 7 Grands Prix différents, et ce final absolument fantastique. Vettel qui se fait harponner par Hülkenberg dès le premier tour, la voiture très gravement endommagée, puis Vettel qui finira 6ème, ça suffira amplement à être champion du monde, puisqu'Alonso ne terminera que 2ème avec une victoire de Jenson Button. Et donc on s'est retrouvé vraiment avec un super final à Interlagos. Il y en a eu tant de finales à Interlagos absolument superbes. Et donc du coup, eh bien, je trouve ça un peu dommage. Cette année aussi, ce sera Abu Dhabi qui clôturera donc ce championnat du monde. Voilà, Abu Dhabi, c'est pas du tout la même chose. C'est un beau tracé, il n'y a rien à dire. Alors que là, je me fais surprendre par Bottas. Beaucoup de mal en ce début de GP, hein, tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'il pleut et que bien l'adhérence pour moi est absolument quasiment nulle et très difficile avec les slicks, mais l'IA n'en ressent absolument pas les effets quant à elle. Donc deux grands prix vraiment totalement différents et très compliqués pour moi. Je suis vraiment sur les œufs dans ce début de course, en plus avec le plein d'essence. Et donc on va essayer de voir à quel moment on va essayer de rentrer au stand, mais là ça devient vraiment de plus en plus compliqué à tenir la voiture, et vous le voyez, Lewis Hamilton devant qui trace sagement sa route, qui est déjà très loin de moi. Mais impossible de rouler plus vite, hein, vraiment avec les gommes et la piste humide, il n'y a vraiment pas de mystère, hein, je peux pas faire mieux. Et du coup c'est Valtteri Bottas qui lui derrière moi essaye de me dépasser et de prendre cette seconde place. On va reparler, on va revenir un peu, hein, sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, parce que du coup, eh bien, oui, la course qui donc se déroule aujourd'hui, donc, hein, ce lundi, et pas dimanche, hein, pour la simple et bonne raison que, comme vous avez pu le voir sur la page Facebook, j'ai eu quelques petits soucis de connexion, et donc un encodage YouTube absolument catastrophique, alors qu'on voit le départ avec de très belles figures, un encodage catastrophique, ce qui m'a donc... poser problème, puisque j'ai dû donc tout refaire sur ma vidéo, certains trucs, problème avec Vegas également, donc je vais finir cette saison sur Vegas et puis je vais passer à Dope Première après, parce que pour l'instant ça devient là très compliqué. Angel a déjà marqué le pas, lui est passé sur le logiciel d'Adobe, et donc du coup bah, moi aussi je vais finir sur Vegas, parce qu'il y a tout dedans, hein, pour la saison 2015 de Formule 1, avec, vous le savez, tous les petits montages, toutes les petites étiquettes que vous voyez là, c'est pour Sony Vegas. Donc du coup voilà, donc ça m'a posé problème, donc cette vidéo qui sort un jour en retard, et donc eh bien c'est bien, puisque c'est donc ces commentaires que j'ai donc dû refaire parce que la vidéo a été quelque peu modifiée. Eh bien c'est en voyant bien entendu ce piètre spectacle à Silverstone auquel nous avons assisté hier, et c'est vraiment pitoyable de la part de la FIA. Alors j'ai fait un peu d'humour à contresens après le Grand Prix, hein, donc, hein, parce que c'est vrai que pour masquer un peu la déception, on attend tous les ans, bien entendu, quand on est fan de Formule 1, les grands GP de la saison, et Silverstone fait partie des grands GP, des grandes dates, des grands rendez-vous de la saison. Donc on attend tous avec vraiment impatience, parce qu'on connaît les fans, on sait que là-haut il y a une ferveur absolument exceptionnelle, que c'est un des plus beaux tracés, que c'est le plus vieux, et on arrive, donc vous allumez la télé donc à 13h30 sur Canal+, vous voyez des nuages, vous savez qu'il va pleuvoir, donc là ça y est, c'est l'excitation à fond, on sait ce qui s'est passé en Autriche, je ne vais pas refaire le Grand Prix, certains disent que Rosberg a raison, certains disent que Hamilton a tort. Bref, c'était, je pense, un Mercedes de trancher et de donner pour une fois une consigne d'équipe, et peut-être de fixer les positions à un tour de l'arrivée. Au-delà de ça, je pense pas que ça va se jouer à la fin du championnat, ce doublé perdu, mais ça fait quand même des points de perdu, et c'est préjudiciable pour Nico Rosberg, bien entendu. Donc on va stopper et parler bien entendu de ce qui s'est passé à Silverstone, hein, donc aujourd'hui, avec bien entendu ce départ, hein, donc on espérait tous, il est tombé une belle averse avant le départ, hein, à peu près 20 minutes du départ du Grand Prix, et puis donc on espérait vraiment tous, eh bien, ce départ absolument apocalyptique, parce qu'on savait que non, qu'il y avait un peu de l'eau dans le gaz entre Hamilton et Rosberg. On savait que les Red Bull allaient être très performantes donc sur ces premiers tours de Grand Prix, avec une voiture et un châssis absolument exceptionnels, et donc une voiture qui fait monter les gommes en température parfaitement, et qui aurait pu largement dépasser les Mercedes au départ. Il n'en est rien, et il y a eu donc 5 tours sous la voiture de sécurité, donc un peu comme à l'image des 24 heures du Mans où tout le monde a été déçu. Eh bien nous voilà donc dans une configuration maintenant où eh bien, en sport automobile on n'aime plus rouler sous la pluie, ou alors c'est soit niveau sécurité, je ne pense pas, hein, soit c'est eh bien tout simplement des voitures qui ne sont plus faites pour rouler dans de telles conditions, et des pneus aussi, hein, on l'a vu encore aujourd'hui, hein, ces intermédiaires qui se dégradent déjà très vite, qui ont besoin d'humidité. Les maxi-pluies, n'en parlons pas, c'est absolument une catastrophe. Donc ils sont, on dirait, vraiment là, presque aléatoirement, on va dire. Ils sont là, tout simplement, quand il y a des conditions un peu humides, on les sort. Quand les slicks ne font plus l'affaire, on met soit les intermédiaires, soit les maxi-pluies. Les maxi-pluies qui n'en sont vraiment pas, puisqu'ils se dégradent encore plus vite que les intermédiaires. Donc c'est absolument catastrophique. Donc c'est vraiment à contresens, en plus, actuellement, de ce qu'il faut faire. Notamment à tous les niveaux, hein, parce qu'on sait que la F1 c'est de plus en plus compliqué et que eh bien, c'est vraiment à petit feu une mort lente et douce et atroce. Surtout pour ceux qui suivent la F1 depuis des années, c'est absolument catastrophique quand on a connu des très grands GP comme en Belgique par exemple, où il tombait des trombes d'eau sur la piste. On en a eu à l'époque de Schumacher, on en a eu à l'époque de Prost, je ne saurais plus vous dire les dates, mais c'était voilà, c'était grandiose, c'était spectaculaire, épatant, même s'il restait, quand même le Monaco 97 avec Panis, même s'il restait à la fin que 3 voitures, c'était ça qu'on veut voir, et pas un piètre spectacle comme aujourd'hui. Voilà, du coup ça verrouille toutes les positions, du coup départ parfait pour Lewis Hamilton. Il a eu juste à gérer, mais c'est vrai que bien voilà, hein, un départ arrêté aurait peut-être tout changé, il suffisait juste que Verstappen par exemple prenne un meilleur départ et s'envole, imaginons en première place, et eh bien ça aurait tout changé le cours du Grand Prix. Donc voilà, vraiment très déçu, encore une fois. Eh bien ça fait vraiment peine à voir, alors que vous le voyez à chaque fois je regarde le Race Director et vous avez vu qu'il a continué à rouler sereinement avec les pneus bien slick. Les pneus super soft, pardon, sur une piste absolument détrempée. Donc vous voyez même les évacuations d'eau assez impressionnantes sur les inters. Mais ça ne change rien, l'IA est toujours au top du top. Je fais mon petit bouchon avec Hülkenberg derrière. Il n'y a absolument pas de souci. En tout cas pour moi la performance elle est là. Hein, puisque là depuis un moment en restant en soft, je me serais vraiment sorti dehors. Donc j'étais le premier à les chausser. On va voir si c'est payant. Donc par rapport, pour revenir à ce GP de Silverstone, donc, hein, encore une fois victoire de Lewis Hamilton. Je vais pas dire fantastique ou pas fantastique, ou enfin voilà, rien d'exceptionnel. Par rapport à Nico Rosberg, il y a peut-être une différence, hein, certes, parce que Lewis est peut-être un peu plus fort et un peu plus talentueux, et que Nico Rosberg, j'ai l'impression, n'est pas très à l'aise sous les conditions un peu humides, on va dire. Mais par contre, franchement, je vais tirer mon chapeau encore une fois à Max Verstappen, qui est vraiment phénoménal. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un pilote comme ça en Formule 1, et bien depuis, on va dire, Sébastien Vettel ou Lewis Hamilton. Donc c'est pour vous dire un peu quand même le niveau du garçon. Hein. C'est vrai qu'un talent comme ça qui sort du jeu, on va pas dire du jour au lendemain, mais on nous l'a présenté vraiment l'an dernier comme un futur prodige et une pépite lancée par Helmut Marko et la filière Red Bull. Qui a vraiment sauté les classes, il est même pas passé par la case GP2 celui-là, et puis eh bien, on comprend vraiment pourquoi. Chapeau Red Bull. Alors c'est vrai qu'à chaque fois eh bien, les nouveaux talents poussent vers la sortie des anciens, et là eh bien, du coup j'ai un peu peur pour Daniel Ricciardo qui si ça continue eh bien, dans ce sens-là, va se retrouver sûrement pilote numéro 2 à la fin de la saison, parce que là vraiment il est écrasé par son concurrent, hein. J'en vais juste retenir peut-être le GP de Monaco, hein, où vraiment on a assisté à une course à sens unique, mais alors après depuis il y avait que la qualif où vraiment Ricciardo tirait son épingle du jeu. Là à Silverstone c'est Verstappen qui lui repassait devant, et puis on a vu au niveau de la course il a été largué tout le week-end, hein, Banana Dan, et ça va être très compliqué pour lui pour la suite. Niveau performance à Verstappen, c'est absolument hallucinant, et il a fait partie bien des seuls pilotes. Aujourd'hui, il y en a eu 2, il y a eu Alonso et il y a eu lui qui ont dépassé dans des endroits hors zone de DRS. On peut dire que le dépassement à Kimi était assez intéressant, mais pareil en zone de DRS, hein, j'étais sur Sergio Perez. Le dépassement de Verstappen sur Rosberg est dans Magots, Beckett, Chapelle, s'il vous plaît, extérieur. avant la zone de DRS, donc vraiment rien à dire, chapeau, vraiment très talentueux. Bon, après il y a la fougue et tout ce qui va avec, mais aujourd'hui dans le numéro 1 tout le monde est parti à la faute, sans exception, sauf peut-être Nico Rosberg il me semble, donc vraiment une course encore phénoménale de sa part, et vraiment si la voiture est au point, ça va faire très mal, donc la Red Bull est au point, le moteur Renault ne l'est encore pas à 100%, il manque un peu de pêche hein, sur un circuit comme on l'a vu aujourd'hui moteur. Avec un tout petit peu plus de puissance, Nico Rosberg ne serait tout simplement jamais passé devant, avec même malgré la puissance du moteur Mercedes et la zone de DRS, ça aurait été complètement impossible. Car à la sortie de Magos, Beckett et Chapelle, la Red Bull était tout simplement plus performante. Donc avenir vraiment exceptionnel et on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer en 2017 avec bien entendu cette réglementation qui va vraiment tout changer, redistribuer un peu les cartes et on en a cruellement besoin sur ce genre de saison là qui depuis 2014, malgré la domination de Mercedes, ça devient très compliqué et souvent très ennuyeux, il y a très peu de courses vraiment très alléchantes et pour les fans c'est de plus en plus dur. On va venir aussi, je vais un peu discuter et parler donc de cette fameuse Scuderia Ferrari. Hein, donc Ferrari qui avait fait un grand ménage à la fin de la saison 2014 hein, en sortant donc Fernando Alonso, en changeant Maurizio Arrivabene et en sortant Domenicali, et puis en changeant tout simplement le patron le plus emblématique de l'histoire du sport auto peut-être, Luca Di Montezemolo, en se remplaçant par Sergio Marchionne. Donc gros ménage, un peu l'image de ce qu'on avait vu chez Ferrari en 2010 avec l'arrivée de Domenicali et de Fernando Alonso. Donc avec une saison 2015 vraiment très prometteuse hein, sur une voiture qui avait vraiment évolué, on a senti une grosse motivation de l'équipe pour aller à la victoire. Objectif atteint des 3 victoires sur le championnat du monde, hein. Ils avaient fixé cet objectif en début de saison, il a été atteint avec une victoire en Malaisie, en Hongrie et puis ainsi qu'à Singapour. Tout le monde était satisfait et tout le monde avait dit que la saison 2016 était parfaitement lancée avec ces 3 victoires en course pour aller chercher Mercedes. Test à Barcelone absolument prometteur avec une voiture vraiment très performante. Et puis là, bien aujourd'hui 10e course donc de la saison et puis grosse régression de Grand Prix en Grand Prix avec vraiment une voiture à la ramasse totalement aujourd'hui. Kimi Räikkönen quasiment à 2 secondes du chrono de Lewis Hamilton. Et puis Red Bull qui repasse devant, c'est ça quand même vraiment la grosse info, c'est Red Bull qui est en train de reprendre le dessus sur Ferrari tout simplement. Red Bull qui a la meilleure voiture après Mercedes, il n'y a vraiment pas photo là-dessus. Cette Red Bull qui commence à fonctionner carrément quasiment sur tous les tracés. C'est encore, je le dis, hein, le moteur Renault peut-être qui pêche encore un tout petit peu sur les chevaux, il manque encore un peu de cheval, hein, on va dire, pour aller chercher le bloc de Mercedes qui est absolument exceptionnel. Mais alors Ferrari c'est vraiment la cata et donc nous fans hein, de Ferrari avec Angel, que ce soit d'un côté Kimi, que ce soit de l'autre bien entendu Sébastien Vettel, c'est absolument catastrophique et là je peux vous dire que au siège ça va commencer vraiment à barder parce que bon, même si Ferrari attend un titre quand même déjà depuis 9 ans, ça sent vraiment pas bon du tout. Alors est-ce que, on sait que Ferrari a toujours aimé bien cacher son jeu, est-ce que la voiture il prépare déjà la voiture de 2017 étant donné que cette saison est déjà bien entamée et bien catastrophique? Est-ce que donc ils sont déjà tournés vraiment vers l'avenir ou est-ce que vraiment c'est très compliqué pour eux et qu'on a senti au Canada, donc ils sont arrivés avec des nouvelles pièces qui là depuis 2 Grands Prix à Bakou, c'était vraiment un miracle qu'ils finissent donc sur la seconde marche du podium. Autant aujourd'hui quand même là c'est vraiment très loin. Sébastien Vettel qui malgré quelques erreurs termine il me semble à 70 secondes, 80 secondes de Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen qui termine entre 30 et 40 secondes. Donc c'est vraiment un gouffre intersidéral, la voiture qui n'a même pas fonctionné sous la pluie. On dirait vraiment, comme a dit Villeneuve, presque les mêmes symptômes que la Williams. C'est une voiture très compliquée à conduire, ça s'est senti. Les pilotes Ferrari vraiment sur des œufs avec les gommes intermédiaires. Donc voilà, c'est triste, hein. On sait comment ça a terminé. Alors c'est vrai qu'il y en avait beaucoup bien qui disaient que comme en 2010 avec Alonso, la saison était très prometteuse. C'est vrai qu'Alonso a gagné dès le premier Grand Prix alors que Ferrari attendait une victoire en 2009. Pareil, où ça a été aussi une année un peu compliquée hein, avec Brown et avec Red Bull qui commençait à émerger. 2010 donc avec l'arrivée de Fernando qui a signé comme Kimi Räikkönen lors de son premier Grand Prix, sa première victoire chez Ferrari. Et puis on le sait, la fin du championnat où c'était voué un titre soit à Fernando Alonso, soit à Mark Webber, et puis qui finalement l'a emporté, c'est Sébastien Vettel. 2011 pareil, année catastrophique de la part de la Scuderia avec, deux petites victoires au compteur. Et puis donc 2012 hein, avec une belle réaction et puis pareil, hein, le final à Interlagos entre Vettel et Alonso qui a tourné à l'avantage de l'Allemand. Et puis donc à la fin, eh bien, une quatrième année vraiment très décevante et finalement l'année 2014 qui a été l'année 2013 donc déjà très compliquée et puis l'année 2014 vraiment affreuse, donc une Scuderia qui est partie vraiment en lambeaux, Alonso qui a parti un peu lui aussi la queue entre les jambes et un peu résigné, dégoûté finalement de ces 4 années vraiment mi-figue mi-raisin. Et puis là, ben, patatras, on dirait que on verra ce que l'avenir nous dira, mais on dirait que le scénario se reproduit avec une très très belle année l'an dernier, vraiment une refonte de l'équipe, on sentait que ça tournait bien. Donc puis là, eh bien, voilà, encore une fois, vraiment là au creux de la vague, une année vraiment très 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 compliquée et un retard sur Mercedes encore plus gros et conséquent qu'en début de saison. Donc eh bien, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et puis donc on attend de voir ce que 2016 peut-être va nous dire et va nous apprendre de ce qui va se passer. Mais voilà, avec vraiment, je vous le dis, Red Bull à côté là, ça semble très très compliqué d'aller chercher le 18e titre hein, pour la Scuderia Ferrari. Et donc bien, on verra. On verra tout ça. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur ce qui s'est passé à Silverstone ce week-end. Donc ce GP d'Interlagos va se terminer hein, avec une victoire d'Hamilton qui se profile, hein. Il n'y aura plus de suspense, hein, alors que je signe malgré tout le meilleur tour en course, mais c'est bel et bien Lewis Hamilton qui est très très loin devant, donc on l'a vu, hein, ma stratégie donc, qui était calquée pas vraiment sur celle de Lewis, donc j'ai essayé donc, de tirer un maximum les pneus intermédiaires et puis j'ai essayé de chausser les pneus médium donc pour finir le GP, parce que sachant que Lewis allait s'arrêter, mais l'avance du pilote anglais était vraiment trop grosse et mes pneus étaient trop dégradés. J'aurais pu essayer si jamais Lewis était ressorti derrière moi, mais là c'était mission perdue on va dire, donc j'ai préféré repasser au stand pour chausser les softs pour finir ce Grand Prix et aller claquer quelques chronos. Il n'y avait pas vraiment de risque à prendre hein, sur la stratégie, parce que Rosberg était relativement loin derrière moi, hein. Rosberg qui est parti dernier quand même, qui va terminer 3e. Il n'y avait pas réellement de risque, hein. C'était juste un petit pari à prendre de terminer et d'aller chercher vraiment la fin de course avec les softs. Et puis sinon voilà de finir donc avec médium et soft, donc une deuxième place qui se profile et puis finalement on a bien une bonne position. Ça a été très compliqué en début de GP parce que voilà l'IA hein, est allée tout simplement plus vite, c'est pour ça que je pense que Lewis m'a collé 30 secondes pour la simple et bonne raison qu'il était bien tout simplement plus rapide avec les gommes slick, puisqu'ils n'ont tout simplement pas baissé de régime alors que moi j'étais obligé de passer avec intermédiaire et du coup ça a été beaucoup plus compliqué. Je m'en sors plutôt bien hein, quand même avec cette deuxième place. Donc on va entamer le dernier tour et se retrouver donc pour la toute fin de cette saison, hein, ma dernière saison donc sur quel que soit le jeu de la fin, même si 2016 va sortir. Je ferai plus de longues saisons comme ça, tout simplement parce que professionnellement je ne pourrai plus, déjà que le temps commence de plus en plus à me manquer, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on va quand même terminer les saisons hein, avec Angel sur le simple fait que c'est quand même très amusant, très divertissant de se retrouver et de faire des courses de cette façon. Donc là il y a eu les vacances de ma part et des siennes, donc lui aussi qui était parti une semaine, donc on va essayer de se retrouver et de se recaler quelques soirs comme ça. Moi bien entendu je referai toujours du race room et du dirt rally parce que voilà ça me plaît bien. Je donnerai également mon avis hein, sur le F1 2016 donc, qui sortira le mois prochain. Mais voilà, plus de saison, c'était donc la dernière et on se retrouvera donc pour la dernière course à Abu Dhabi sur un tracé néanmoins superbe, hein, même si les dépassements sont là-bas très 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 compliqués. Avec ces 2 zones de DRS d'affilée, c'est que je trouve un peu bête, puisque tout simplement quand vous passez votre adversaire dans la première, il y a de grandes chances, on va pas dire sur à 100% qu'il vous repasse dans la seconde. Donc voilà, un Grand Prix on ne peut pas trop dépasser, pas aussi plaisant que celui-ci. Il a été vraiment encore une fois, voilà, même dans le jeu très très animé. et ça a été vraiment une pure partie de plaisir pour moi-même. Donc voilà le classement avec Lewis Hamilton, donc, qui termine très très loin. Je termine avec le meilleur temps, quand même une seconde de mieux que le pilote anglais, mais à 31 secondes derrière lui. Nico Rosberg qui est derrière moi, qui est 4e, Bottas 5e, mon coéquipier qui a réussi à remonter bien à la 7e place. Massa, Hülkenberg et Grosjean qui clôturent donc ce top 10. Les McLaren donc bien très loin. Jenson Button, on l'a vu, qui est parti à la faute, qui m'a touché le pneu arrière un peu, à l'image de ce que Felipe Massa a fait aussi. Et donc abandon de Max Verstappen. Au classement général des pilotes, eh bien c'est statu quo sur tout le championnat et sur tous les pilotes. Rien n'a bougé pendant ce week-end. Et pour les constructeurs, c'est absolument pareil. Donc eh bien, je vous dis à dans 2 semaines. On se retrouvera donc eh bien, pour Abu Dhabi. En attendant, portez-vous bien. Allez, salut à tous.